Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 9e enveloppe du calendrier de l'Avent de chez Cash Village. Hier, nous avions eu une suspension magique. Et aujourd'hui, nous avons un chat. et enveloppe, c'est le 9. Voilà, enveloppe 9. Très légère et très fine. Très légère et très fine. Vraiment extrêmement fine. Vous voyez, et très très légère. Il n'y a aucune forme, donc... est-ce que ça va être un sticker ou quelque chose comme ça, c'est extrêmement fin. On va regarder ça tout de suite. Ah, alors, il y a un ensemble de choses. Il y a un ensemble de choses. Est-ce qu'il reste encore des trucs dedans? Non. Alors, oula, il y a trop de choses. on va commencer par ça. Ça, c'est un autocollant, un sticker, avec signal, en une forme un peu ovoïde, hein, vous voyez. Signale une sorte de hôte de Noël avec un logo géocaching. C'est plutôt joli, plutôt fait, plutôt féerique. Donc je mettrai des photos, hein, bien sûr, en vue rapprochée comme d'habitude. C'est l'autocollant et sur l'arrière, donc ce ne sera pas un sticker à mettre sur votre voiture ou sur une vitre. Ensuite, on a 6 autocollants. Alors ces autocollants-là servent, moi je les mets souvent sur des boîtes géocaching. Comme ça, ça permet d'avoir le logo directement, vu qu'il y a marqué geocaching.com. Des fois, ça permet à certains moldus de s'intéresser, de ne pas forcément jeter directement. Ça permet d'identifier, en fait, nos caches. J'en mets absolument partout. Et pour ce dernier petit carré de papier-là, j'aurais tendance à dire, comme il n'y a pas d'autocollant à l'arrière, et la texture du papier me fait penser à des décalcomanies. Vous savez, genre on découpe la petite forme, on le pose sur la peau, un petit coup d'eau humide, et hop, on a un tatouage éphémère. Je pense que c'est ça, je vous confirmerai. Donc aujourd'hui, on est plus dans le sticker et dans la décoration avec 3 objets dans une seule enveloppe. Donc les autocollants, le gros autocollant et peut-être et sans doute même les tatouages. Voilà. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous avez pensé de l'enveloppe dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour l'enveloppe du 10. Et on se retrouve demain à 16h pour l'enveloppe du 10. J'ai amitié les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.